Bonjour à tous, ici Directa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite prise en main de l'iPhone 6 à la Fnac. Donc j'ai pas pu me l'acheter moi-même, mais ça va arriver. Faut juste que j'attende. Moi, je n'arrive pas à me l'acheter tout de suite, tout simplement parce que bon, voilà, j'ai pas financièrement les moyens. Mais maintenant, je vais vous montrer cet iPhone-là. Donc plutôt, j'ai été surpris là. Vous voyez, c'est la fonction qui vous permet de, si vous touchez deux fois sur le Touch ID en bas, ben, vous allez pouvoir avoir toute l'application jusqu'au là. Donc là, je montre. La comparaison avec mon doigt, en fait, franchement, c'est on peut l'acheter, l'utiliser avec un doigt. Et là, voilà, on tape deux fois sur le Touch ID et on peut accéder jusqu'au haut de l'écran rapidement comme ça. Donc c'est plutôt sympa. C'est franchement, je me demandais comment Apple allait faire. Ben, ils m'ont surpris. Ils ont trouvé le truc qui fait qu'en fait, ça reste toujours Apple. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le zoom de l'écran. C'est une fonction qui permet sur l'écran de l'iPhone 6. Pour ceux qui trouvent trop petits les icônes, vous allez pouvoir les zoomer. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de comment ça va être si vous zoomez l'écran. Donc là, je vais revenir et là, je vais l'appliquer, donc faut cliquer sur définir, utiliser, voilà, agrandir, et puis là où ça va faire un respring, et là votre écran va être plutôt gros, donc c'est plutôt sympa. Moi personnellement, je m'habituerai dès que j'aurai l'iPhone aux petites icônes, voilà. Là, je vais aller dans un général information, donc voilà, vous voyez les informations, là, donc on voit que c'est un 16 Go, il est sur USB, tout à fait normal. Donc là, je vais vous montrer les fonds d'écran de l'iPhone. On voit plutôt, bon, ceux qui sont de nouveau sur même sur iOS 8 final, même sur les autres iPhones. Donc là, on va aller dans la caméra et justement, je vais tester les nouveaux slow motion en 240 FPS, 240 FPS, c'est-à-dire 240 images par seconde. Alors sur l'iPhone 5S, c'était 120. Voilà, c'était DirectStyle pour une petite prise en main de l'iPhone 6. À la Fnac, il n'y avait pas l'iPhone 6 Plus, donc j'ai pas pu vous le tester. Voilà, donc je ne peux pas encore me le payer bientôt, mais j'ai jamais fait le test comme ça, pris une petite prise en main à la Fnac de l'iPad Air, et je l'ai eu. Donc pourquoi pas pareil avec l'iPhone 6. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, et très important, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui va vous permettre de recevoir des prochaines vidéos. C'était DirectStyle, et moi je vous dis à la prochaine. Thank you.